Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des femmes ni des hommes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui va vous aider. Il y a une fille qui m'a écrit dans mon mail: Tata, je peux faire comment? J'ai tout vendu, mais ça ne marche pas. Je lui ai demandé: Tu es purifiée? Elle me dit non. Tes mains sont purifiées? Elle me dit non. Et j'ai dit: Si je donne l'astuce à une seule personne, ça ne pourra pas aider. Mieux, je partage ça avec vous. Et pour cela, nous avons besoin d'eau. L'eau, comme ceci, l'eau. Peu importe votre récipient, que ce soit un verre, un gobelet comme ceci ou un bol. Et nous avons besoin du sel de cuisine. Du sel de cuisine. Vous prenez ce sel, comme ceci, dans votre main. Vous mettez dans l'eau une fois en faisant vos vœux, deux fois en faisant vos vœux, trois fois en faisant vos vœux. Vous laissez ça reposer. Donc, vous faites ça le matin, vous laissez ça jusqu'au soir, au coucher. Vous appelez quelqu'un d'autre de porter cette eau et vous la versez dans vos mains. Vous lavez vos mains en faisant vos vœux. Vous lavez vos mains en faisant vos vœux. Et vous laissez ça sécher sous vos mains. Vous n'essuyez pas. Et vous n'ayez plus contact avec une autre eau. Vous laissez ça. Et le lendemain, vous pouvez maintenant utiliser une autre eau comme vous voulez. Likez, aimez, partagez, laissez des commentaires. Allez tester. Et venez témoigner. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao, ciao, à la